Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire ma deuxième lecture. Donc ça s'appelle Trois souhaits bienfaits, s'il vous plaît. C'est une histoire tirée d'Aladin. Allez, go! Longtemps, avant même la naissance d'Aladin, de Jasmine, au maître de Sultan, la lampe magique était en route pour la caverne aux merveilles. Un marchand ambulant l'avait achetée sur l'étal d'un marché. Ignorant sa valeur, il l'échangea contre un repas auprès d'un fabricant de fromage. Hassan, car elle se nommait ainsi, regarda la lampe d'un air sceptique. Il soupira et se mit à l'astiquer. Dans un nuage de fumée, un génie apparut. « Salut, je suis le seul et unique génie de la lampe !» Satchel. « Pardon ?» demanda Hassan. « Enchanté de te connaître !» dit le génie. « Que fais-tu de beau ici, à Agraba ?»« Je m'appelle Hassan et je... »« Stop !» cria le génie. « Laisse-moi deviner !» Le génie mit sa main en visière et en profita pour regarder la boutique à la dévorer. Tu vends du fromage, vrai ou faux? Tu as raison, dit Hassan. Mais c'était plus facile à deviner. Rien de magique là-dedans. Tu es très observateur, Hassan, dit le génie. Aussi, je vais exaucer trois de tes vœux. Trois souhaits? Oh! Hassan réfléchit quelques minutes. Il me faut plus de bon lait pour faire du meilleur fromage et je voudrais beaucoup de brebis et j'aurai alors le lait qu'il me faut. Pouf! En un éclair, 1 000 000 de brebis dévalaient les ruelles. Elles couraient partout, envahirent la petite boutique et renversèrent les étals du marché. Bonté divine, cria Hassan. Je devrais posséder le plus grand magasin de fromage du monde pour vendre le fromage de tous ces brebis. La boutique d'Hassan se mit à grandir. Grandir. C'est terrible, cria Hassan. En bas, les gens paraissaient aussi petits que les fourmis. Je ne peux pas vivre dans cette monstruosité. Tout ce que je souhaitais, c'était fabriquer le meilleur fromage de la cité des Grandes. Hassan se retourna vers le génie. Je fais le vœu de ne t'avoir jamais rencontré. Pouf ! À ces mots, le génie disparut. Et tout redevint comme avant. Les shops et la place du marché s'étaient vidés. Toutes les brebis s'étaient envolées. Hassan cherchait sa lampe partout. Mais elle était déjà enfuie dans la poche d'un petit garçon. Où atterrirait-elle ensuite? Ce n'était qu'un rêve fou, dit Hassan. Depuis ce jour, chacun affirme qu'Hassan fait le meilleur fromage de toute la cité d'Agraba. Et voilà les amis, c'est terminé. Alors je vous souhaite une bonne journée. Et à mercredi, là on est lundi, je vous dis à mercredi, je fais une nouvelle vidéo tous les deux jours. Allez, à plus !